tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, eh bien, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant, eh bien, comment avoir la plaque rare LS Pounders, eh bien, sur GTA 9. Alors, sachez que vous devez posséder la casse et préparer le vol de la Blista Kanjo pour avoir cette plaque rare, oui. Donc, vol disponible, eh bien, depuis ce jeudi 6 juin jusqu'au jeudi 13 juin. Donc, dépêchez-vous, eh bien, pour faire ce vol simplement. Vous faites les missions de préparation, vous faites le vol, vous volez la voiture et surtout vous faites récupérer le véhicule. Vous paierez 20 000 ou 10 000 dollars selon votre situation et donc vous aurez la plaque LS Pounders noire dessus. Plaque concrètement rare. Vous pouvez également changer l'écriture sur la plaque. Mais faites attention, ne changez pas de plaque, ne retirez pas la plaque, sinon vous la perdrez à tout jamais. Je sais également que des joueurs perdent la plaque sans rien faire, ça concrètement je n'y peux rien, c'est un bug dans le jeu, Rockstar Game est au courant, travaille dessus et normalement ça devrait être réglé pour la prochaine mise à jour de GTA 9 qui arrivera donc ce mardi 25 juin. Et du coup bah, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé et qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le partage pour faire connaître la chaîne, le like qui fait plaisir, qui soutient la chaîne, et puis on se retrouvera bien prochainement pour d'autres vidéos. Moi je vous laisse tout le monde et puis portez-vous bien.